Hey, salut à tous et à tous les potos, c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo information. Du coup c'est où trouver les gloutons de Galactus. Très simple potos, donc sachez-le, vous allez dans passe de combat, donc dans les cartes à remplir. Sachez que du coup si vous tuez les gloutons, vous obtiendrez du coup la carte à remplir W-01 et du coup celle-là également. Du coup ça, ce sera pour avoir battu le boss du coup des gloutons. Et là c'est pour les mini drones, et oui parce que les potos, vous allez trouver du coup un glouton sur la map et ce glouton va cracher des drones. Voilà, donc les potos, je vais vous montrer directement en jeu comment les obtenir. Donc voilà les potos, ça y est, on est en game. Du coup les potos, première astuce très importante, vous pouvez trouver des gloutons dans n'importe quel mode de jeu, que ce soit solo, duo, section et fort d'empagne. Donc les potos, vous pouvez trouver n'importe où. Sachez-le, très important les gars, je vous conseille d'atterrir directement à un endroit où il y a un hélico. Vous voyez, parce que tout simplement les potos, les gloutons apparaissent uniquement à la fin de la première zone. Donc une fois que la zone sera terminée les potos, il va y avoir un gros rayon rouge qui va spawn au milieu de la map ou à n'importe quel endroit. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un hélico, parce que si vous en avez pas, et ben ça se trouve le point rouge sera très loin de vous et vous n'obtiendrez pas du coup les gloutons de Galactus. Donc très important les potos, moi je vais à Stark Industries parce que je suis en mode solo, mais à vrai vous pouvez aller n'importe où les gars et avoir n'importe quel véhicule, on s'en fiche un peu. Une fois que vous avez du coup l'hélicoptère, n'hésitez pas à prendre de la hauteur parce que les potos, il va y avoir un rond rouge qui va spawn au milieu de la map à la fin de la première zone. Et il est très important de ne absolument pas le louper, sinon bah, vous allez louper où est l'endroit. En tout cas les potos, j'en profite que je suis en l'air du coup pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les potos, ça me ferait énormément plaisir, à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique. Et en tout cas les potos, on attend du coup, regardez la fin là, ça va bientôt être la fin de la première zone. On va aller voir les potos et du coup c'est très simple, voilà je reste en l'air pour pouvoir déterminer où est le point rouge. Et une fois qu'il y sera les potos, vous allez voir, il y a pas mal de petites stratégies pour battre du coup le boss Galactus. Donc c'est tout simplement les petits gloutons les potes. Et il se peut que ça spawn du coup n'importe où comme je vous l'ai dit. Et sachez-le les potos, il y a une très très grosse astuce avec les drones de ce glouton. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Truc tout bête aussi les potos, j'avais complètement zappé de vous le dire, mais ça me paraissait être une évidence, mais je le répète quand même les potos, équipez-vous avant d'affronter le boss glouton, tout simplement les potos, parce que le boss est vraiment hard, et vraiment il projette énormément de puissance, et il peut vous one shot très rapidement. Donc les potos, équipez-vous, lootez-vous, ayez un petit peu de stuff pour l'affronter, et aussi n'hésitez pas à prendre des constructions, vous allez en avoir besoin. Et voilà les potos, du coup comme vous pouvez constater, du coup là la première zone commence à arriver. Et du coup les potos, une fois que la zone aura touché les limites de la bordure et que du coup la première zone se sera refermée, et du coup bah tout simplement quelque chose va apparaître, un rond rouge va apparaître sur cette map là. Et les potos, va falloir tout simplement le guetter. Petite astuce encore une fois, n'hésitez pas avec votre hélico ou n'importe quel véhicule, voire même si vous êtes à pied les potos, de vous mettre sur une bordure tout simplement de la zone. Regardez, moi je suis juste ici, et bah tout simplement ça me permet d'avoir un champ de vision assez large pour pouvoir guetter justement où le rond rouge va apparaître. Oui, parce qu'encore une fois les gars, le rond rouge peut apparaître n'importe où, vraiment c'est aléatoire, et ce sera dans la première zone. Et voilà les potos, du coup la zone se referme dans 10 petites secondes. Du coup une fois que la zone aura touché, il y aura un petit rond rouge qui va apparaître les potos. Il faut tout simplement guetter, très important. Ne le loupez absolument pas les potos. Attention. Ok, j'ai rien vu, merde. Ok les potos, du coup j'avais totalement pas vu, mais on l'a vu une fraction de seconde. Je vais essayer de vous repasser le passage. En fait tout simplement j'ai vu quelque chose, un rond rouge se dessiner ici. Et voilà, regardez les potos, il est là. On le voit, il est apparu les potos, donc juste à côté de Salty. Sachez-le encore une fois, ça peut être vraiment n'importe où les potos. C'est pas forcément que là. Donc maintenant on va essayer de l'affronter les gars, ok. Hey, donc je me permets de couper vite fait la vidéo les potos, parce que du coup j'avais totalement raté le point rouge comme vous avez dit. Du coup je me suis permis d'aller directement en mode rediffusion pour pouvoir vous permettre de passer la séquence où il y a le rond rouge. Du coup voilà, je fais avancer le temps les potos, et vous allez voir au bout d'un moment, donc ce sur point de vue là, vous allez voir le point rouge apparaître. Et du coup voilà, j'ai mis en moins 10% les potos du temps, pour que vous voyez vraiment avoir le temps de voir le point rouge apparaître. Voilà, vous le voyez les potos, petit à petit il se forme.
Et c'est vraiment un tout petit rond rouge qui prend absolument toute la map, les potos. Et vous allez voir, du coup, à la fin, eh ben, du coup, il y a le glouton, les potos, qui va apparaître. Voilà, les gars, regardez, hop. Je laisse le temps un petit peu plus défiler. Voilà, les gars. Regardez, ça fait vraiment ça, les gars. Et hop, d'un seul coup, ça s'étincelle. Vraiment très important. Et après, voilà, les potos, le glouton va apparaître. Mais voilà, les potos, c'est uniquement quand vous voyez, du coup, le point rouge. Voilà, les gars. Je me permets, attendez, je vais bouger un peu plus le temps. Voilà, j'ai mis en x4, les gars. Et normalement, vous allez du coup voir, voilà, le glouton apparaître. Voilà, c'est ce que j'avais dit, les potos. Voilà, c'était en mode rediffusion, les potos. Voilà, du coup, je vous remets la vidéo là où j'affronte le glouton. Alors, du coup, maintenant, j'ai mon petit... j'ai tout préparé. Voilà, les potes, vous avez vu, il y a des petits drones. Et si vous vous dépêchez, donc avant qu'il explose, on peut le choper, on peut le ramasser. Voilà, nickel. Et maintenant, on peut l'affronter, les potos. Donc sachez-le, vous pouvez tirer à l'infini grâce à ça. Et donc les potos, vous avez également des cartes à remplir en tuant les petits drones à côté. Donc je vous conseille vraiment de tuer absolument tous les petits drones. En plus, ça va vous rapporter énormément de loot comme vous pouvez le voir. Bon, voilà, attention à l'explosion parce que ça vous donne vraiment masse de dégâts. Voilà. Faites très attention à vous les potos parce que moi, je viens de me prendre masse de dégâts. Alors sachez-le les potos, vous pouvez tirer vraiment à l'infini grâce à ça. Et là, je sais vraiment pas viser, mais vous inquiétez pas là. Voilà, allez, meurs. J'essaie de faire ça, les potos, pour tuer un maximum de drones. Même si, j'avoue, ça aurait été un peu plus rapide quand même. Avec mon arme principale, là, j'arrive pas à les viser. Voilà, les potos. Donc, sachez-le, une fois que les potos, une fois que le mini-boss a apparu, est apparu sur la map, il est là pour tout le temps, les gars. Hein. Tant qu'il n'est pas descendu, tant qu'il n'est pas mort, il reste sur la map. Donc, n'ayez pas peur. Donc là, j'ai le poteau, je vais commencer à le tuer. Je vais commencer à le tuer. Donc je pense, à mon avis, les mini-drones, il faut quand même pas mal de choses pour les avoir, les petites cartes. Et là, les poteaux, hop, je tue et la zone va arriver en même temps. Donc voilà, les gars, hop. Et voilà. Comme vous pouvez voir, on a du coup la carte à remplir Galactus à fin en haut à gauche avec 15 000 d'XP les potos. Et comme vous pouvez voir, il vous lâche énormément de loot, énormément de loot. Et les potos, voilà, ça n'arrive qu'une seule fois par game. Donc les potos, vraiment, ne le loupez pas, d'accord les potos. Et sur ce, encore une fois, si vous voulez du coup plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire dans l'espace. Un commentaire justement. Et sur ce, moi je vous laisse, c'était Ekar. Ciao, bye bye, portez-vous bien, et puis c'est tout, et puis moi, je vous laisse avec cette vidéo. Ciao les gars!